Dans la vie, il faut savoir courir pour aller chercher ses rêves. Et ne jamais se laisser décourager par des petits contretemps. Comme par exemple, un ours. Ou encore, des gens qui veulent vous retenir. Quand on est motivé, on se sent pousser des ailes. Quand on est motivé, rien ne peut vous arrêter. On ne dirait pas comme ça, mais j'étais en train de vivre la plus belle aventure de ma vie. Parce que j'avais dû annoncer une terrible nouvelle au garçon dont j'étais secrètement amoureuse. Du coup, je pourrais pas venir en Normandie avec toi cet été. Je suis désolée. T'en fais pas, des occasions d'aller en Normandie, il y en aura d'autres. Par contre, une opportunité comme celle-ci, y en a pas tous les jours. Bon bah, j'y vais. Si je ne pouvais pas retrouver Gaëlle sur la plage de Trouville cet été, c'est parce que moi, qui avait toujours rêvé de devenir créatrice de mode, j'avais cliqué sur cette étrange bannière. La mode a besoin de toi. Hey, tu as moins de 18 ans, tu as l'étoffe d'un créateur de mode, tu te sens l'âme d'un grand couturier, alors participe à la 6e édition du World Fashion Summer Dress. Le plus grand concours mondial pour les jeunes stylistes en herbe. À la clé pour le ou la gagnante, intégrer la prestigieuse école CFSLA. CFSLA! California Fashion School of Los Angeles. C'était juste l'école de stylisme la plus cotée au monde. Chaque année, il ne prenait que 12 élèves. Autant dire que rentrer dans cette école, c'était juste le rêve absolu. Alors, pendant des semaines et des semaines, j'y avais mis tout mon cœur. L'intégralité de mon temps libre était partagée entre la recherche d'inspiration et les divers croquis de robes. Toute la journée, mes pensées étaient tournées vers la mode. Je réfléchissais style, je pensais coupe, je rêvais tissu. Car pour ma robe, j'avais de grandes ambitions. Donc, j'imagine une pièce unique qui rendra hommage à la haute couture française, donc avec des lignes pures, de l'audace, du style, quoi. Tout en essayant de ne pas se laisser perturber par le look de ma mère en mode hashtag « C'est dimanche, c'est négligence ». Bah quoi, c'est dimanche? C'est négligence. Donc, j'avais... Je vous vois le dossier avant de l'envoyer. Bon, bah, vous me rappelez. Ma création était encore plus réussie que dans mes rêves. Pour le concours, j'étais prête à tout déchirer. À part ma robe, bien sûr. Et ce matin, j'avais reçu ce mail. Urgent, une grande nouvelle pour Barbara Marteau. Et j'ai l'honneur intersidéral de vous annoncer que... Barbara Marteau est sélectionnée. J'ai envie de dire quoi, j'ai envie de dire beau, j'ai envie de dire bravo. Ma robe
avait été sélectionnée pour la phase finale du World Fashion Summer Dress. Alors oui, ce jour-là, j'étais vraiment malheureuse de ne pas pouvoir rejoindre Gaëlle cet été. Mais j'étais également la plus heureuse du monde. Et j'en connaissais une qui allait l'être encore plus. Oh, dites-moi pas que c'est pas vrai. Ma fille est sélectionnée au World Fashion, je sais pas quoi. World Fashion Summer Dress. Qui, comme à son habitude, ne pouvait s'empêcher... Ma fille est sélectionnée au World Fashion, je sais pas quoi. D'en faire des caisses. C'est une séquence, machin, je sais pas quoi. C'est dans 10 jours. Ah, je veux pas gâcher ce magnifique moment pour un appel du bureau. Bah non. C'est monsieur Gonelli, 2 secondes. Oui, monsieur Gonelli. Non, vous ne me dérangez pas. Bon, là, quel camp, cette réunion? C'est à Los Angeles. Alors là, jamais de la vie. Non, 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 pas vous, monsieur Gonelli. Ok, mardi, c'est super. Par contre, est-ce que je peux vous rappeler parce que j'ai plus de batterie? Los Angeles? Mais enfin, ma chérie, c'est pas possible. Mais maman, c'est la chance de ma vie. Bah oui, mais non. Mais ma chérie, tu sais très bien que je peux pas quitter Paris à cause du dossier de la tour. C'est dans 15 jours, c'est impossible. Monsieur de la Tour était accusé de n'avoir jamais réglé ses amendes de stationnement depuis 14 ans. Non, mais ne vous inquiétez pas, monsieur de la Tour. Le dossier est en béton. Croyez-moi que l'accusation ne tiendra pas bien longtemps. Allez, on se voit la semaine prochaine. Malheureusement, la maladresse légendaire de ma mère lui a valu de perdre son procès en première instance. Effectivement, les preuves qui devaient innocenter Monsieur de la Tour s'étaient envolées entre la maison et le palais de justice. Problème. Monsieur de la Tour était un ami de famille de Monsieur Hoquet. On ne peut pas perdre ce procès en appel. Le patron de ma mère. Ok. Ok, c'est vous. Oui, c'est moi, oui. Mais vous, c'est ok. Bah non, moi c'est Isa. Ah ! Oui, mais non. Oui, oui, mais tout est ok, monsieur, ok. Bref, ce qui n'était pas ok, c'est que si ma mère perdait ce procès... Heureusement que j'ai pas le ok. Elle allait aussi perdre son job. Bon, bah, comme j'ai 16 ans, je vais toute seule. Quoi? Non, mais hors de question que t'ailles aux US toute seule. Inconsciente. Ah, vous voyez, pourquoi? Pourquoi? Parce que là-bas, tout est immense, géant, hyper grand, et que toi, t'es toute petite. Tu risques de te perdre partout, non? Bravo. Je te remets l'Oscar de l'argument le plus bidon du monde. C'est ça, fais la maline. T'oublies surtout que là-bas, il y a le vagabond à la pelle. Mais maman, c'est un film. Ouais. Mais américain. Et très certainement inspiré d'une histoire vraie. N'importe quoi. Puis le problème, c'est pas le vagabond à l'appel. C'est juste qu'aujourd'hui, tu préfères ton travail à ta fille. Quoi? Alors là, n'importe quoi. Hein. Tu sais très bien que tu passes et passeras toujours avant mon travail. C'est ça. Ah, on se demande bien qui ça peut être. Je décroche pas. Ah oui, non, mais là, c'est ok. Chérie, j'ai pas le choix. Non, mais t'as jamais le choix. Tu passes ton temps à bosser et quand là, pour une fois, je te demande... Oui, monsieur, ok, comment allez-vous? Non, non, oui, très bien. Et vous? Par contre, est-ce que je peux vous rappeler? Parce que là, je suis au volant. Merci. Ma mère venait de ruiner mon rêve. Seule consolation dans cette histoire... Mais comme ça, on passera les vacances ensemble, c'est une bonne J'allais nouvelle, finalement passer les vacances près de Gaëlle. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle, ça? Mais si, il faut le prendre comme ça. Le concours, je m'en fiche, et puis il y en aura d'autres. Enfin, je crois. Bah, oublions, alors. Attends, excuse-moi. Basket, t-shirt... Quoi? Santiago, chapeau de cow-boy. Je comprends rien, là. J'assure le vol Paris-Dallas la semaine prochaine, je te ramène quoi? Dallas? Gaëlle, je crois que j'ai trouvé une solution pour Los Angeles. Que serait un parent qui ne réaliserait pas qu'il peut réaliser le rêve que son enfant a toujours rêvé de réaliser tout en réalisant qu'il n'a jamais osé le réaliser lui-même. Hein?
Oui, en gros, ça sert à quoi que je sois pilote de ligne si je ne peux pas réaliser le rêve que Barbara... Bon, c'est bon, là, on a compris, ça va. Oui. J'ai une rotation la semaine prochaine sur Dallas. Du coup, c'est moi qui emmène Barbe. Enfin, son concours est à Los Angeles. Dallas, c'est au moins à... 1990 km et 832 mètres. Tu vois, papa a tout prévu. J'ai toujours rêvé de me faire la route 66. Alors du coup, j'ai loué la voiture qui va bien, 3 jours de route et en avant la country. Ça a l'air super, hein. Mais moi, je peux pas venir, donc c'est non. Ah non, non, mais n'aie aucune inquiétude, hein. Et puis en plus, on s'attendait pas à ce que tu viennes. Non, 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 je dis non, dans le sens où je suis contre. C'est dommage parce que moi, je dis oui. Eh ben moi, je dis oui aussi. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Oui. Ah bah elle a dit oui. Mais non. Oui, monsieur, ok. Elle a dit ok. Je vous envoie le procès verbal par mail maintenant. Vous aussi, au revoir. C'est un non définitif. Tu vois, je te l'avais dit. Et ne claque pas là ! Porte. Tu vois, je te l'avais dit. Sans vouloir t'offenser, je te trouve un petit peu trop dans le non. Ah non. Bah si. Essaye de te mettre à sa place aussi. C'est important pour elle. Et c'est pas important pour moi de l'avoir à mes côtés cet été en Normandie, non? Je croyais que tu devais pas quitter Paris. Oui, mais non. Trouville, c'est seulement 2 heures. Est-ce que tu te rends compte que notre petite fille a été sélectionnée pour participer à la finale d'un concours mondial? Oui, je sais. Et il a fallu que ce soit Los Angeles, à des centaines de kilomètres d'ici. 9085. Et puis souviens-toi aussi, à son âge, quand tu jouais de la flûte de Pan. Je vois pas le rapport. Moi, je le vois bien, le rapport. Hein. Rappelle-toi le concert. Enfin, ça n'a rien à voir, c'était à Clermont-Ferrand. Oui. Bon, mais j'aime pas l'idée que ma fille parte à des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres loin de sa mère. J'ai le droit. De toute façon, je vais pas t'empêcher de partir avec ta fille, hein. Mais j'ai besoin de montrer que je suis contre. Alors, je changerai pas d'avis, de mon côté, sinon. Oui, mais est-ce que ça veut dire que je peux quand même emmener Barbe, c'est ça? Oui. Mais moi, c'est non. Mais oui. Eh ben voilà, tu commences enfin à te détendre. Ou presque. Je vais parler avec Barbe. Tu fais bien. Contre toute attente, le jour du départ était arrivé. Malgré les relations toujours tendues avec ma mère, j'étais tout de même heureuse de partir. Par contre, j'avais toujours du mal à comprendre comment mon père avait réussi à retourner la situation. Donc, si j'ai bien compris, maman reste sur son nom, m'a dit oui pour que je parte. Voilà, donc tu peux faire la paix avec elle. Ah mais ton père veut t'emmener, donc il t'emmène. Mais si ça t'est qu'à moi, ça serait non, non, non et non. Laisse tomber, y a pas moyen de faire la paix avec quelqu'un qui comprend pas mon rêve. Ou avec quelqu'un qui abandonne sa mère toute seule cet été. Dans le froid, la neige, la souffrance, la douleur, la grêle, la tristesse, mais la... tu seras pas toute seule, t'as ton travail. Mais je n'ai pas que mon travail, enfin, et tu le sais très bien, j'ai et aussi ça, une fille, oui, et tu es bien placée pour le savoir. Et je m'occupe depuis combien de temps de ma fille? Depuis combien de temps? Est-ce que quelqu'un veut écouter un petit peu de country? Non! Bon, allez, dites-vous au revoir, vous allez vous manquer. Alors là, elle va pas me manquer une seconde. Moi, je suis juste venue pour voir si elle allait voir me partir. Comment être en manque d'une fille qui abandonne sa mère? Bon, allez, ça suffit, arrêtez maintenant. Bon, Barbe, je t'attends au contrôle des passeports. Allez, serrez-vous dans les bras, à tout de suite. Bon, bah... Salut. C'est ça. Salut.
Laura Marano vient de passer devant moi, me dire chut et est partie se cacher dans les toilettes. Tout va bien, tout est normal. Ok. Elle est où? Qui ça? Chut, chut. Où elle est passée? Qui donc? Eh ben Laura Marano, une petite brune avec une veste en cuir. Premièrement, j'ai vu personne et deuxièmement, vous êtes une fille? Hein? Vous êtes une fille ou pas? Moi? Non, pourquoi? Parce que là, c'est les toilettes des filles. Ok, monsieur. Donc, si vous n'êtes pas parti dans 3 secondes, j'appelle mon père. 1, 2. Ça va, mamie? T'as bientôt fini? Oui! Oui, j'arrive! Mamie? Oui, c'est ma grand-mère. Je vous rappelle que vous êtes dans les toilettes des filles. Papa! Ok. C'est bon, t'inquiète, je sors de là. Et votre Laura Marano, je l'ai vue partir tout au fond du terminal à l'opposé. Et ça t'aurait pas pu me le dire plus tôt, hein? C'est bon, la voie est libre. C'est très gentil à toi d'avoir aidé ta mamie. Et c'était qui ce type? C'est un paparazzi. Il est particulièrement coriace et il me suit partout, alors merci. Je suis Laura Marano. Je t'avais reconnue. Moi, c'est Barbe. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir aidé, Barbe. J'oublierai jamais. De rien. Oui, c'est bon, je l'ai retrouvé. Tout va bien. Ah, oh, je suis désolée. Il faut qu'on y aille. Pardon, mais il faut... Oh, et au fait, j'adore cette robe. Elle est super cool. Oui, merci. Désolée. Après cette rencontre improbable, alors même que je n'avais pas encore quitté Paris, il y avait une chose dont j'étais désormais sûre. C'est que j'allais vivre une aventure incroyable. Mesdames, messieurs, bonjour. Laurent Marteau, votre commandant de bord pour ce vol à destination de Dallas. La météo sur le parcours est un peu chaotique, comme la relation en ce moment entre ma fille et sa mère. Mais d'après les prévisions, le soleil devrait être au rendez-vous à l'arrivée. Donc, Barbe, ne t'inquiète pas, je t'aime. Ladies and gentlemen, le remarquons, Peter Catherine Peggy, pour le Spice Dallas. Ma chérie, j'ai peut-être été un peu égoïste. Je suis avec toi de tout mon cœur pour que tu gagnes ce concours. Téléphones et autres appareils électroniques doivent désormais être éteints ou en mode avion. La tablette et le dossier relevés, les issues de secours dégagées. Après 10h et 27 minutes de vol, mon père posait les roues de l'avion sur le sol américain. Il est 15h15 en heure locale et la température extérieure est de 26. Une fois les montres réglées à l'heure US, un texto envoyé à ma mère et les formalités passées, il ne nous restait plus qu'à récupérer la voiture de location. Si moi j'étais ultra heureuse d'être sur le chemin de mon rêve, mon père, quant à lui, était carrément sur une autre planète. Ça sent l'essence mélangée à une vieille odeur de pizza. Non. Inspire. Ça sent la liberté.
Texas, nous voilà! Tu aimes le rodéo? Non. Super, c'est ici que ça se passe. T'aimes la musique country? Moyen. Tant mieux, c'est ici que ça se passe. Ça va, papa? Et comment que ça va? 22 heures de route, 1434,3 miles. Barbe, je te présente la bête. La voiture que j'ai louée pour notre voyage. Jante alu brossée, 17 pouces. 4 roues motrices, 2 devant, 2 derrière. Carrosserie en titane du Texas. Chrome de Détroit. Coffre de 852 litres. Et demi. Siège chauffant, massant, relaxant à base de coton mexicain. Sono double stéréo tuner. Klaxon italien. Bon. Système de navigation directement relié au satellite américain. Bref. La bête. Et il y a moyen que ce truc nous ramène jusqu'à l'hôtel, parce que là, je suis vraiment KO. Attention! Oh là 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 là, attends. T'as failli rayer la peinture avec tes ongles. Alors, quand tu veux ouvrir la portière, tu utilises ce mouchoir, s'il te plaît. Hein. Tu sais que je suis un petit peu maniaque avec mes voitures. Mais papa, c'est une voiture de loc. De loc, de luxe. D'une part, j'ai une caution de malade dessus, et d'autre part, la bête doit être traitée avec tact et respect. Ok, on y va, t'as la voiture la plus parfaite du monde. Ah, non. Non. Malheureusement, non. Cette voiture n'a qu'un seul défaut, le front parking n'est pas automatique. Ce qui est quand même un comble pour une voiture de cette gamme. Ouais, ouais, un comble. Mmh. On y va? Attends, pas avant d'avoir posé mon porte-bonheur. Et maintenant, surprise. Ta-da! 64 gigas, soit 328 heures de pure music country. La playlist de notre voyage aux États-Unis. Visiblement, la route des prochains jours s'annonçait plutôt confortable. Oh, c'est pas vrai, là, je m'y ferai jamais à ce parking. Hein. Et puis, il faut avouer que sous le soleil de Dallas, la musique country de papa avait une toute autre saveur. Encore fallait-il. Me and you are like a wildfire burning. Me and you are like a rising storm. Qu'il évite de chanter. Like a twister turning and a turning. You never know which way it will be going. Do we blow up and throw it all away? Is the last thing that I'm gonna hear you say that we're through? Do we give in to the doubt? Do we let this fire go out? Me and you, me and you. Do we blow it off and throw it all away? Is the last thing that I'm gonna hear you say that we're through? Do we give in to the doubt? Do we let this fire go out? $10 que c'est amer. Mais oui, ça va. Salut Marteau, c'est Fouché au planning à Paris. Ah bah non, ça va pas. Il me faut un remplacement d'urgence là. Mais comment c'est possible? Boulanger qui devait faire le Dallas. Ça va pas, maman? Intoxiqué en mangeant dans un boui-boui périmé. Alors, bah il peut pas voler. Non, mais je viens juste d'arriver et en plus je suis avec ma fille. Marteau, je te dis que je peux pas faire. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi qui sois intoxiqué dans un boui-boui périmé? Sinon, de toute façon, t'as pas le choix. Comment ça, j'ai pas le choix? Bah bien sûr que si, que j'ai le choix. Ah ouais, tu veux expliquer ça au patron? Non, effectivement, j'ai pas le choix. Non. Ah, mmh. Merci pour ta bonne volonté. Non, non, mais il faut juste que je m'organise avec ma fille. Mmh. Ça, c'est oui, bon, je vous rappelle, je vous rappelle. C'est ça, oui, oui, merci. Barbe, le commandant de bord qui devait faire le Dallas-Paris demain a eu une intoxication alimentaire. Je suis le seul commandant de bord disponible. Je dois le remplacer sur le vol de 11h. Quoi? Mais non, tu peux pas me laisser toute seule. Ah non, mais tu vas pas rester là toute seule. Je te ramène à la maison. C'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Pas maintenant. Et mon concours? Je sais bien, mais enfin,
Si je dis non, ils peuvent me virer. C'est mon boulot. Vous en avez pas marre avec maman de faire passer votre boulot avant moi à chaque fois? C'est inhumain de briser mon rêve alors que j'étais presque. Non mais je te jure, des concours, il y en aura d'autres. Et voilà, c'était fini. Après ma mère, c'était désormais mon père qui me laissait tomber. Dans quelques heures, je serai à Paris. Il me restait plus qu'à oublier toute cette aventure. Écoute, Bichette, je comprends que tu sois en colère, mais est-ce que ça t'ennuierait d'être en colère un petit peu plus loin et de ne pas t'appuyer sur la voiture? Parce que je te rappelle que la caution coûte très, très, très cher. Oh, pardon, j'avais oublié que même la voiture passait avant moi. Non, non, mais écoute, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Non, mais on en a déjà parlé hier soir, en plus. Oh, c'est bon, papa, j'ai le droit d'être énervée, quand même. Ta-da! Ah bah super, sympa. Merci, l'accueil. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Oh, ma chérie, tu m'as tellement manqué, mon petit cœur. Ma mère avait toujours montré quelques difficultés à être séparée de moi. Et effectivement, au bout de 17h53 minutes et 32 secondes, elle avait craqué et sauté dans le premier avion pour Dallas. Alors, tu vas rire, mais en fait, on part pour l'aéroport, là. Ah, oh, tu me rassures. Deux secondes. Tenez, merci beaucoup. Au revoir. Tu sais que c'est une très bonne idée, hein, d'aller à Los Angeles en avion, hein. Parce que franchement, se cogner la route, bonjour, hein. Ça va, mon amour? Non, mais oublie, on rentre à Paris. Papa doit remplacer quelqu'un sur un vol. Mon rêve est foutu. Mais enfin, tu peux pas faire ça! Comme si j'avais le choix, hein? Que serait un parent qui ne réalise pas, qui... Que serait un enfant qui ne réalise... Que serait un parent qui ne réalise pas... On s'en fiche. Oui, enfin bon, vous m'avez comprise. Bon. Eh ben, c'est moi qui t'emmène. Surtout avec une belle voiture comme ça, hein. Avec la bête? Oui, monsieur. Ah, mais pas du tout. Mais même pas dans tes rêves, hein. Déjà que je la confierais pas à un pilote professionnel. Alors imagine à toi, surtout que le frein de parking n'est pas automatique. Ce qui est quand même un comble pour une voiture de cette gamme. Mais papa! Non, mais il n'y a pas de mais papa. Vous allez louer votre propre voiture, point barre. Désolé, je vais chercher les bagages qui manquent. Tu fais bien, oui. Elle est même pas capable de faire un créneau sans toucher la voiture de devant, de derrière, et même celle qui est garée de l'autre côté. Alors, lui prêter la bête. T'inquiète pas, je ramènerai la voiture chez le loueur. Merci encore, hein. Trop cool. Bise, Isa. Non mais le frein de parking est pas automatique. Hey. Ça te dirait pas qu'on n'écoute pas de la country? Ça tombe bien parce que là j'ai pas du tout envie d'écouter ça. On quittait enfin Dallas. Los Angeles était entré dans le GPS et ma robe bien disposée à l'arrière. J'avais retrouvé l'espoir. Et surtout, j'avais retrouvé ma mère. Un truc qui me chiffonne. Comment t'as fait pour quitter Paris alors que t'avais plein de boulot? Ah ça, ma chérie, c'est le moment où tu vas comprendre pourquoi on appelle ta mère le Zorro du barreau. Le Zorro du barreau?
Exactement. J'ai monté un plan, mais alors infaillible. Bon, comme tu sais déjà, de nos jours, la technologie nous permet de bosser à distance. Mm-hmm. Et puis bon, j'ai pas vraiment dit que je m'absentais. Tu sais que Monsieur Hockey a quelques petits problèmes de vue. Des petits problèmes de vue? C'était peu dire. En réalité, Monsieur Hockey était totalement miro. Oui, un instant, s'il vous plaît. Mais comme c'était un monsieur très coquet... Entrez. Il ne voulait pas s'afficher en public avec ses énormes lunettes. Du coup, ça créait des situations... Merci, monsieur. Plutôt cocasses. Tout ça pour dire que sans ses lunettes, Monsieur Hockey n'y voyait pas... à plus de 10 centimètres. Et tu savais que Hugo reste à Paris cet été? Ouais. Eh bien, grâce à une technique hyper élaborée, hein, on a mis en place un mixage de personnes. Quoi? Non mais attends, c'est quoi le rapport avec Hugo, là? Eh ben, disons qu'en gros, il me remplace au bureau. Quoi? Non mais il est complètement bidon, ton plan! Déjà, avec le décalage horaire, ça va être hyper chaud de joindre Paris. Et puis, même de dos, à 100 km, Hugo, t'en ressemble pas du tout. Enfin, ma chérie, j'y ai pensé, évidemment, j'ai tout prévu. Il sera équipé. Je lui ai promis que je lui ramenais un t-shirt de l'équipe de basket de Los Angeles et des chewing-gums à la cannelle. Quoi? Tu te sers d'Hugo en échange de chewing-gum? Oui, mais à la cannelle! Et d'ailleurs, fais-moi penser au t-shirt de Los Angeles quand on sera à Los Angeles. Alors? Qu'est-ce qu'on dit de ce plan de folie? On dit que ça sent la cata à plein nez. Et ça commence quand? Maintenant. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bon, tant qu'il y a du réseau et que je peux le joindre, tout va bien. Écoute ma chérie, dis-toi bien qu'à partir de maintenant, plus rien ne peut nous arrêter. Tu m'entends? Plus rien. Front parking. Ah oui, d'accord. Ah ouais, on a crevé, quoi. Mais bien, hein. C'est plus un trou, quoi. Bon, il doit bien avoir une route de secours, hein. C'est moi, juste un petit message pour te dire qu'en fait... Ça va pas ou quoi? Oui, ça va. Alors en fait, on voulait juste te laisser un petit message pour te dire que, bah, que tout va bien, surtout la voiture. C'est vraiment, vraiment le bonheur ici. Hein. Par contre, est-ce que tu peux me rappeler assez vite, s'il te plaît? Merci. Je le sens pas du tout, cet endroit. On est en plein cœur du désert, hein. À part croiser un cactus, y'a rien. Ouais. Eh ben... C'est exactement dans ce genre d'endroit que traîne le vagabond à l'appel, tu vois. Maman, c'est qu'un film. Maintenant, faut que t'arrêtes de flipper pour rien. Ouais. C'est ça. Ah non, mais si je suis là, c'est pas parce que j'ai peur, hein. C'est parce qu'il y a la clim ici. Pareil. D'ailleurs, ça s'allume comment? Je sais pas... Bonjour. Y'a quelqu'un? Vous avez appuyé sur le bouton alerte assistance VIP. C'est quoi le problème? On a crevé, venez nous chercher vite, on est... Je sais pas où on est. Ne vous inquiétez pas, vous êtes géolocalisé. Vous êtes tout simplement entre la colline de Brentown, sur le chemin de Winstown, sur la route de Clintown, près de la rivière de Rosetown. Voilà, voilà, on est là, on est là. Je vous envoie l'assistance. Merci monsieur. Non, c'est madame, je m'appelle Carlita. À votre service. C'est quand même de la bonne voiture, ça. Hein? L'Amérique, tu vois, ça reste l'Amérique.
rappelle. Il serait pas dépanneur par hasard? Donne-moi vite quelque chose pour qu'on se défende. Hein? Trop vite! Salut. C'est vous avec le pneu crevé? Jean. Si! Si. C'est quoi ça? C'est pour vous. Hmm. Vous devez avoir faim, la route, tout ça. Oh non! En fait, attention, c'est mon ex-mari qui l'a loué. Doucement. Ah! Vous savez ce que c'est le vrai problème? Bah oui, c'est le pneu avant crevé. Oh non! C'est le frein de parking! Il est pas automatique! Un comble pour une voiture de cette gamme! Tu m'étonnes, ouais! Est-ce qu'on pourrait revenir au pneu? Ça, c'est un 325-30 de chez Fire Road, référence BE 345-24-32-22. Waouh, vous connaissez tous les pneus par cœur? Mais non! C'est marqué sur le pneu. En revanche, j'ai pas ce modèle avec moi, malheureusement. Il m'en reste peut-être un à l'atelier, mais pas sûr. Allez, en route, mes cocottes. Faut pas rester ici. À cause du vagabond à la pelle, c'est ça? Quoi? Non! À cause de la tarte aux pommes que j'ai mis au four avant de venir! Je veux pas qu'elle crame! Allez, venez! Ouh! C'est rien, ça. Un coup de chiffon et on y verra que du feu. Oh ben non, mais ça se voit, là. Ton père va me tuer, il va me tuer. Je sais pas, mais c'est beau l'américain quand même. Vous avez vraiment pas de bol. Oh non, vous avez pas trouvé le pneu. Non, ma tarte a brûlé, du coup vous pourrez pas la goûter. Mais pour le pneu, c'est votre jour de chance. J'ai trouvé un 325-30 de chez Fire Road, référence BE 345-243-32. C'est super. Vous allez pouvoir le réparer maintenant alors? Bah non. Vous avez un BE 345-243-22, alors que moi, j'ai un BE 345-243-32. Pourquoi vous avez dit que c'était notre jour de chance alors? Parce que dessus, j'ai trouvé le numéro du fournisseur. J'aurai un nouveau pneu demain matin. Demain matin, mais il va falloir trouver un hôtel. Ah oui. Ah ouais. Sauf que ce week-end, c'est le concours du plus gros mangeur de hot-dog. Tous les hôtels seront pleins. Mais comment on va faire alors? Bah, vous pourriez dormir à la maison. Bah. Oui. Ok, c'est génial. C'est gentil, merci. Merci. Bah, je vais chercher les bagages du coup. D'accord, parfait. Super. Notre sauveuse s'appelait Melissa McCougan. Et chez les McCougan, depuis toujours, on n'a jamais laissé un étranger dans le besoin. Puis, dormir chez l'habitant reste le meilleur moyen pour découvrir les coutumes d'un pays. Et là, question coutume, on n'était pas déçus. Parce que chez les McCougan, on était experte en mécanique de mère en fille depuis 1722. Et là, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. C'est la première femme qui a été mécano. Oh. Ouais, c'est fou. Oh, vous savez quoi? Demain matin, je vais vous préparer les meilleurs pancakes que vous avez jamais goûtés avec la poêle de mon arrière-arrière-grand-mère. Je vous ferai des pancakes à la McCougan. Oh, et par ici... Venez voir!
La fatigue commençait à me jouer des tours. Il était temps de se coucher. Bonne nuit, les Frenchies. Et merci pour tout, hein. Bonne nuit. Le soleil et le vent avaient eu raison de moi. Je m'étais écroulée. Pendant que maman, décalage horaire avec Paris oblige, bossait un petit peu. Ah, Isabelle, ça fait plaisir de vous voir à fond sur le dossier. Bravo. Vous savez, monsieur Hockey, c'est toujours un bonheur d'être ici. Et puis j'adore tellement mon job. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais dites-moi, Isabelle, vous feriez pas des UV en cachette, là, par hasard? Oui, et c'est pour avoir un meilleur teint. C'est gentil de l'avoir remarqué. Ah, il a l'œil, le Hockey, il a l'œil. Sérieux, j'ai eu peur. Il voit vraiment que dalle. Ou alors, peut-être que je ressemble vraiment. Mais non, non, Hugo, c'est vraiment qu'il ne voit plus rien. Ou alors, peut-être que mon jeu d'acteur est si bon que je l'éblouis. Tiens, je suis ébloui. Ah, toi aussi. Ah, ça me fait plaisir parce que... Non, je suis vraiment ébloui par un autre truc. Bon, je te laisse, Hugo. Papa, réveille-toi. Hein, il y a la gueule? Non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, je te dis. C'est pas possible. C'est le vagabond à la pelle. Maman. J'ai géré la situation. Oh, c'est mon mari! Ah bah là, c'est sûr que t'as géré la situation. Le mari de Mélissa était en fait ouvrier sur un chantier. Et s'il rentrait si tard, c'est tout simplement parce qu'il travaillait de nuit sur la rénovation d'une autoroute. Merci, ma chérie. Mais le plus délicat dans toute cette histoire avait été d'expliquer le quiproquo au sujet du vagabond à la pelle. Admettez quand même que peu de gens rentrent chez eux avec une pelle. Sauf ceux qui travaillent avec une pelle. Parce que vous ne travaillez pas avec une pelle. Oui, c'est vrai. En tout cas, je suis sincèrement désolée pour ce fâcheux malentendu. Oh, un malentendu qui lui a coûté 3 dents. Oui. Enfin bref, il se sent déjà beaucoup mieux. Hein, chérie? Si, si, mon amour. Et le 4. Cette robe est vraiment magnifique, je trouve. Non, elle est fragile. Oh non. Maman. Oui, j'arrive. Je suis désolée. Ah oui, quand même. Oh, mais ça va partir. Il fallait sortir le plan alerte générale et appeler en extrême urgence la seule personne capable de m'aider. Mais t'inquiète pas, Barbe, mais c'est que du miel. C'est hyper facile à enlever. Oh, merci, Léa, tu me rassures. Alors, il vous faut... Par chance, l'été dernier, Léa avait fait un stage dans un pressing. Un litre d'huile de colza, une goutte d'essence de thym et surtout un... Surtout quoi? Et surtout un scratch.
Non, non, Léa, j'ai pas entendu le dernier mot. Est-ce que tu peux me le répéter, s'il te plaît, merci. Mais de rien, merci à toi. Je dois y... On se tient au courant, ok? Allez, ciao. Non, non, Léa, j'ai pas entendu le dernier mot, non. Oh, ma chérie, c'est pas grave, regarde, on a beaucoup d'ingrédients déjà, ça peut marcher. Huile essentielle de thym. Huile de colza. Voilà. C'est peut-être parce qu'il nous manque le dernier ingrédient. Parce que c'est vrai que là, ça se voit encore un peu quand même. Hein. En même temps, la tache est dans le dos. Personne ne la verra. Ouais. C'est vrai. Hein, de dos, ça se verra pas, la raison. T'as raison. C'est vrai. Après tout, dans le dos, ça ne se verrait pas forcément. Tout espoir n'était pas perdu. Sitôt notre nouveau pneu livré, sitôt installé par Mélissa. Et voilà, ça se voit plus. Merci pour tout, hein. Il ne fallait plus traîner. Cette petite halte imprévue nous avait fait perdre l'avance qu'on avait. Le concours avait lieu ce soir et il restait pas mal de kilomètres. Plus on avançait vers Los Angeles, plus on se rapprochait de mon rêve. Par contre, mes hallucinations continuaient à me jouer des tours. Et pendant ce temps-là, ma mère continuait à régler ses problèmes de bureau. Hey, go, ça boum! Alerte rouge, ça craint, gros problème en prévision. Oh, mais arrête de t'exciter pour rien, mon petit Hugo. Pense au chewing-gum, pense à la cannelle. Monsieur Hockey vient d'appeler, il sera là dans une minute au bureau. Comme tous les matins, mets la perruque, souris et les verrades du feu. Lui, oui, mais pas monsieur Delatour. Comment ça, Delatour est au bureau? Il vient pour voir si tout avance bien sur son dossier. Oh non, mais Delatour voit très bien, il n'y a aucune raison pour qu'il pense que c'est moi. Les voilà, qu'est-ce que je fais? Toilette. Quoi, toilette? Va t'enfermer dans les toilettes! Monsieur Delatour est venu nous rendre une petite visite matinale et je... Isabelle! Je croyais qu'elle travaillait d'arrache-pied sur mon dossier. Ah mais c'est le cas, je comprends pas. Isabelle! Elle doit être aux toilettes. Suivez-moi. Ah non, non, mais moi j'ai pas le temps d'attendre. Je suis garé en double fil, ça fait au moins une heure, donc... Je vais y aller du coup. Non, 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 pas une minute. Venez, 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 venez. Allez-y. Allez-y. Occupé. Isabelle, c'est monsieur Hockey. Je suis avec monsieur Delatour et. Vous en avez pour longtemps? Non, enfin, oui. Je suis un petit peu malade là en fait, mais rien de grave. C'était quoi ce bruit? Problème de digestion. Vous êtes sûre que tout va bien, Isabelle? Écoutez, je suis à fond sur le dossier, mais là, la situation est assez embarrassante, non? Oui, on est désolé, on ne vous dérange pas plus longtemps. Merci, Isabelle. Bon, bon courage, bonne journée, Madame Marteau. Au revoir. Et contre toute attente, le plan tordu de ma mère semblait fonctionner. Alors là, ma chérie, écoute-moi bien, je le proclame haut et fort. À partir de maintenant, plus rien, tu m'entends bien? Plus rien ne pourra nous arrêter. On est parti. Alors, vous êtes Laurent Marteau. Alors, c'est elle, Laurent Marteau? Non. Enfin, ça se voit quand même que je m'appelle pas Laurent. Donc, vous n'êtes pas Laurent Marteau. Donc, ça n'est pas Laurent Marteau. Est-ce que j'ai une tête à m'appeler Laurent, franchement? Non. Oh, la honte, elle te prend pour papa. Donc, c'est vous, Laurent Marteau? Alors, c'est vous, Laurent Marteau. Non, c'est encore plus jalouse pour toi, elle te prend pour ton père, c'est trop drôle. Vous seriez pas un petit peu en train de vous moquer de moi? Se moque de vous. Ça commence à bien faire, ça suffit maintenant, oui? Est-ce que tu peux arrêter de répéter tout ce que je dis, s'il te plaît? Non, mais attendez, on se moque pas du tout, hein. Non, non, en fait, je vous explique, c'est mon ex-mari qui a loué la voiture. Et donc... Ah, excusez-moi. C'est important, faut que je réponde. Oui, Hugo, dépêche-toi, je suis au volant. Juste pour savoir, quand est-ce que je pourrais sortir? Sortir d'où? Des toilettes. Sors enfin! Ouh là, ça va vous coûter cher, madame. Mais pourquoi? Ah, le téléphone au volant, c'est une infraction supplémentaire. Mais, enfin, je roule pas, là! Peut-être, mais vous êtes au volant. Affirmatif, elle est au volant. Ah, je t'ai entendu, t'as dit que t'étais au volant. Hugo, tu me fatigues, je te rappelle. Écoutez-moi bien, madame.
Je suis avocate internationale, alors je connais mes droits. Oui, je suis au volant. Oui, je téléphonais, mais la voiture n'avançait pas, donc pas d'amende, hein. Ouais. Va pour cette fois, madame. De toute façon, c'est pas pour ça qu'on vous a arrêté. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Oui, elle va vous dire maintenant pourquoi. Arrête ! Tu vas m'attendre dans la voiture, y en a marre ! Oh ! Hey ! Reviens. Souris. Peu importe. Vous ne rouliez pas assez vite. Ici, en Californie, il est strictement interdit de rouler sous la vitesse minimum. Non mais c'est fort de café ça, j'ai vu un panneau tout à l'heure, il y avait marqué 35 et je vous promets que je roulais à 35 km/h enfin. Vous venez d'où, madame ? De France, pourquoi ? Ici, on est aux États-Unis, donc sur votre compteur, il faut regarder les miles par heure et non les kilomètres par heure. J'ai confondu. C'est quand même marrant ça, non ? Vachement drôle. Vous recevrez l'amende par la poste. Oh non. Écoutez, madame, tout ça c'est de ma faute. C'est parce qu'on va à un concours de stylisme. Un concours de stylisme ? Oui, on vient de France exprès pour présenter ma robe. Elle est où cette robe ? Soyez sympa. On a eu que des galères. Oh. Regardez le dos. Ah oui, effectivement. Soyez cool. Suivez-moi. Toi, tu restes là. Je me passionne pour la mode depuis toujours. Regardez. J'ai pris un abonnement à ce magazine. Faut dire que quand j'étais plus jeune, je rêvais de devenir mannequin. Oh. Regardez. Oh, trop belle. Ah oui. Excusez-moi. Pas maintenant. Vous savez, l'ours du zoo de Nesdy qui s'est enfui. Johnson, on verra plus tard. Ah, ok, pardon, désolé. Enfin, il est juste là, pour info. De quoi ? Restez calme. Je gère. Vous allez le tuer ? Non, pas le tuer. Juste l'endormir pour un petit moment. Non, elle va juste... La ferme ! Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Dites-moi, la tache dans le dos de la robe, ça serait pas du miel ? Oh non ! Barbara, tu laisses cette ours tranquille ! Oh non, mais c'est pas vrai ! Barbara ! Chef, c'est pour moi. Quel boulet ! Chef! Où il est? Il s'est réfugié dans cette grange. Oh, mais c'est pas possible! C'est pas possible! Ok, j'ai une super idée. On creuse un trou de 3 mètres de profondeur qu'on recouvre de branches. Ensuite, on imite le cri de la femelle ours. Ça le fait sortir et il tombe dans le piège et bam! Pas le temps de creuser un trou! On va essayer ma technique! Barbara! Appelez les secours! Enfin, pour l'ours, hein, parce que quand elle est énervée, faut pas la chercher. Barbara!
Pas vrai, Johnson? Tout à fait, chef. J'ai maîtrisé l'ours. Sans aucun problème. Les gars du zoo viennent tout juste de repartir avec. Comment ça? La française. Non, elle va super bien. Ah, faut que je vous laisse, chef. Au revoir. Oh, maman. Oh, ma Berrie. Comment ça va? Bah, maman, tu zozotes? Elle zozote. Non, veut. Si. Zozote. C'est quoi ce délire? Oui, bon, en fait, c'est un effet secondaire de la fléchette endormante. Effet secondaire? Non, secondaire. Vous dites ce que vous dites, hein? Non, vous dites secondaire, mais c'est secondaire. Mais en fait, c'est normal comme symptôme, c'est classique avec les fléchettes. Et comment ça se fait qu'on n'ait jamais entendu parler d'un truc pareil? Disons que sur les ours, le zozotement s'entend un peu moins. Mais ça les touche aussi. Et ça va durer combien de temps? Oh, bah ça dépend, hein. Ça peut durer entre 2 heures et 2 semaines. 2 semaines? Semaine, pas semaine. Non, mais je crois qu'elle le fait exprès. Ok, tout le monde reste zen. Zen? Tiens, elle zozote plus. Non, c'est juste que dans zen, il n'y a aucun S. Vous avez vendu vos drains? Ah si, elle re-zozote. C'est dingue quand même, parce qu'on comprend rien du tout. Hey! Vous avez dansé votre Radrine? Non, sincèrement, je dois vous dire que je comprends rien du tout. Vous avez dansé votre Radrine? Il faut qu'on vote tous les c'est deux facile. Comme ça pour la comprendre. C'est tout simple, c'est pas sorcier, faire, les gars. Je suis juste assurée. C'est trop dur à comprendre. Moi, ça va, hein. Moi, vous n'avez pas comprendre. Si dur, elle, en fait. Un vœu d'enfant. Vous avez fait beaucoup trop dur. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien. Frein de parking? Oh non! Oh! C'est foutu. Tout ça à cause de ce frein de parking automatique. Mmh. Un comble pour une voiture de cette gamme. Mmh. Alors là, je vois pas ce qui peut nous arriver de pire. Bah vie. Ton père. Salut Laurent. Ah, ça me fait trop plaisir de t'entendre. Voilà, j'aime pas cette voix. J'étais en vol, je viens d'avoir ton message. Qu'est-ce qui se passe? Rien, en fait, on a eu un souci sur une roue, c'est réparé, voilà, y a rien. Mais j'en étais sûre, t'as crevé. Bah, et puis c'est quoi ce soulagement? Ah ça, c'est rien, c'est un pari avec Barbara, parler en zozotant. Bon, écoute, j'ai pas que ça à faire, t'as autre chose à me dire? Non, non, nada, tout va bien, voilà. J'imagine que Barb me fait toujours la tête? Non, 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 non. Bon, ben, la bise à vous deux. Ah, et puis pensez à mettre le frein de parking qui est pas automatique, ce qui, je te l'accorde, est un comble pour une voiture de cette gamme, hein. Allez, salut. Salut. Bien, la peur à rien de rester là. Et voilà, la super voiture de papa était dans le fond du ravin. Plus aucun moyen d'aller à mon concours. Mais de toute façon, qui pourrait gagner avec une robe tachée dans le dos, à moitié déchirée et sur laquelle il y a écrit « frein de parking ». Dis-leur que c'est du fashion destroy. Bah oui, au concours, toutes les filles présenteront des robes classiques, alors que toi, justement, tu peux te démarquer avec une robe qu'ils n'auront jamais vue. Tu leur fais croire que c'est voulu, que c'est une création fashion destroy. Ça peut marcher. Écoutez-moi bien, Lilo et Stitch. Si on en est là, c'est à cause de vous. Alors vous allez réparer vos erreurs et nous emmener Fissa à Los Angeles. Quoi? Si vous ne nous aviez pas arrêtés pour rien, l'ours n'aurait jamais volé ma robe. Et si vous n'aviez pas oublié le frein de la voiture, elle ne serait pas tombée au fond d'un ravin avec nos valises. Puis si vous n'aviez pas tiré sur ma mère avec vos fléchettes soporifiques, elle parlerait pas comme une gamine de 4 ans. Bah ça, c'est vrai, hein. Non, jamais. Ok.
Ok, ok. On vous emmène à Los Angeles. Allez, vite, la hurde. J'ai un 48-7, 6 miles au nord de Green Valley. Absence de frein automatique. On était enfin à Los Angeles. On n'avait jamais été aussi près du but. Par contre, bah, on était sévèrement en retard. En direct du Fashion Coliseum de Los Angeles, 20 finalistes venus des quatre coins du monde, 20 créations, 3 jurés. Welcome à la 6e édition des World Fashion Summer Dress. Si la police arrive. Johnson, c'est toi la police. C'est vous les Françaises? Oui. Et en retard, évidemment. Ok, cool, on y va. Et pour élire la robe de l'année, nous avons l'incroyable honneur d'avoir avec nous ce soir dans le jury le célèbre chroniqueur mode italien. Il est là ce soir, Filippo, Filippo Petit Pato, bonsoir. Ciao. La mode est un souffle, c'est une respiration, c'est l'essence même de la vie. Et ce soir, mes amis, ça va respirer sur scène. Grazie. Et à vos côtés, bonheur absolu, le mannequin international qui nous vient de Roubaix, c'est Britt Henderson. Yeah. Hello. Yeah. Ça me fait chaud au cœur de faire partie des nominés ce soir. Hein? Quoi? Bah non, t'es juge. Ah, en fait, je suis dans le jury. Voilà, 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 voilà. Cool! Ah, je vous adore, merci! S'il vous plaît, s'il vous plaît, une fois encore, il nous fait l'immense privilège de présider ce jury. Mesdames et messieurs, ici même, le styliste des stars, Tony Tony! Ce soir, je veux trois choses. Du fashion, du fashion, du fashion et du fashion. Yeah. Tu vois, ça y est, on y est. La police t'escorte, t'as une robe unique au monde. Bref, tout va bien. Hein? On se dépêche. Bon, qu'est-ce qui se passe encore, Hugo, là? J'ai perdu mes cheveux. Tu perds tes cheveux à ton âge? Et on s'est un petit peu jeune quand même, non? Non, non, j'ai perdu mes cheveux. Enfin, je parlais des tiens. Enfin, de la perruque. J'ai fait tomber dans le broyeur à papier. Non, mais c'est pas possible, tu le fais exprès! Bon, écoute-moi, pas de panique. Je vais laisser un message à monsieur Hockey lui disant que je m'absente une heure. Et toi, pendant ce temps-là, tu cours acheter une autre perruque. Non, mais attends, monsieur Hockey veut que tu sois, enfin, que je sois dans son bureau dans 20 minutes. Mais pourquoi il veut te voir, toi? Mais non, pas moi, mais toi. Enfin, moi, mais déguisé en toi. Bon, écoute-moi bien. Tu trouves une autre perruque, n'importe quoi qui pourrait marcher. De toute façon, il voit rien. Allez, c'était pas hier, c'est pas demain, c'est ce soir. Le World Fashion Summer Dress. Yeah. Alors, avant de découvrir la première création, place au mot du président. Tony Tony, est-ce qu'on peut s'attendre à du fashion ce soir? Oui. En revanche, toi, tu n'es pas prêt du tout. D'où tu sors cette horrible coupe? Aurais-je loupé le mémo disant que les années 80 font un comeback? Tony Tony, je le reconnais bien là. On applaudit bien fort. Et on attaque avec la première candidate. Elle nous vient tout droit du Japon. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, comme il se doit, Akiko. Cette inspiration. Ça
rien du cœur du Japon. Ouh, le cœur du Japon, d'accord. J'adore. Oh. Alors, qu'en pense notre jury? A-t-il du cœur ce soir sur cette robe? J'adore cette robe, c'est léger, c'est frais comme tout, c'est... Très mal repassé, surtout je vois un pli en bas à gauche, pas fashion. Next. Ah, le cœur du Japon. Continuons, petit départ. Voilà votre loge. Pour présenter ma robe sur scène, on m'avait attribué un top modèle qui venait de Russie. Bonjour, je suis Oksana. Elle était très belle. Bonjour. C'est sûr, elle allait sublimer ma robe. Enfin, ce qui l'en restait. Quel est ce torchon? Ça? C'est voulu. C'est un style parisien, fashion destroy. Je ne monte pas sur scène avec ce torchon tout collant en plus. Et qui sent le chien mouillé. Non, non et non. Je suis désolée que la robe ne vous plaise pas, mais vous devez absolument la mettre. Car si vous ne mettez pas la robe, alors là, bah, je vais être très triste. Oksana refuse. Point final. Écoute-moi bien, Osaka. Oksana. Oui, Oksana. Oksana. Oui, Oksana. On s'est cogné des milliers de kilomètres en crevant sur la route. On a survécu à un type qui ressemblait au vagabond à la pelle. On a été poursuivi par un ours et on a explosé la voiture de location. Alors crois-moi que cette robe, tu vas la porter. Voilà le travail. Ben, merci. Oksana refuse. Oksana fait les bagages. Ce petit concours, c'est pour les nuls. Au revoir. Ah ben, merci, maman. Super. Il y a forcément d'autres modèles. C'est là tout le problème. Il n'y a pas d'autres modèles. Et si vous n'avez personne pour défiler, vous serez disqualifié. Ok. Je me dévoue. Je veux bien défiler. Aïe. En fait, ce sera déjà difficile de gagner avec cette robe. Alors avec vous dedans, je crois que vous n'aurez vraiment aucune chance. Il est marrant, lui, non? Maman, il a raison. Ce serait peut-être mieux avec un top modèle. Mais je sais, mais où est-ce que tu veux qu'on trouve un modèle à la dernière minute, enfin? Je sais pas. Si vous voulez... Si ça peut vous dépanner, je la remplace. Bravissimo, ça brille, ça brille, hein? Ça, oui. Tu m'étonnes que ça brille. Des paillettes, des paillettes, des paillettes, de la poudre aux yeux pour aveugler le jury. Pas fashion, hideux. Next. Ok. Merci, mademoiselle. Viva España! Olé! Et vous trouvez ça moderne? Vous venez d'où? Je viens d'Islande. D'Islande? Eh bien, rentrez chez vous et vite, c'est très laid. Next. C'est marrant parce qu'on voit, on a l'impression que c'est un papillon qui s'envole. Sublissimo. Attendez, sérieux, c'est une robe ou un rideau? Next. 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 Suivant. Next. Dois-je vraiment juger ces horreurs? Dois-je vraiment supporter ces choses-là? C'est à vous dans 5 secondes. Vous allez assurer, les filles. Dans 5 secondes, c'est à vous. Une candidate qui nous vient tout simplement du pays de la mode, la France. Elle nous vient tout droit de Paris. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, comme il se doit. 3. Attention, 2, Barbara Marteau. Oh yeah. Vous pouvez les regarder sur l'écran ici. Approchez-vous, s'il vous plaît. «
Ces robes de gamine, c'est une totale perte de temps. J'ai mieux à faire, moi j'ai... Le mieux, c'est de savoir ce qu'en pense Tony Tony. Tony Tony, alors, un petit commentaire sur ce homme. Waouh. Hein? Alors ça, ça m'impressionne. Je suis scotché, incroyable. C'est toi qui as fait ça toute seule? Oui, enfin non, je me suis fait aider par ma copine Léa. Et ma mère m'a beaucoup soutenue. Je voulais d'ailleurs en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont permis d'être là ce soir. Mais on s'en fiche des merci. C'est ton moment à toi. Reste concentré quand je te parle. Je vais te poser une question très simple. En deux mots, d'où t'es venue l'idée de faire cette robe? Eh bien, en fait, au départ, c'était un hommage à la haute couture française. Mmh. Et maintenant, c'est un hommage au rock'n'roll en mode destroy. Rock'n'roll! Wouh! Destroy! Hey! Pardon. Ça vous plaît? Oh, chérie, c'est simple, je n'ai jamais... jamais vu une robe comme ça. Jamais. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment la... la pire robe de la planète et de la galaxie. Non mais qui a laissé quelqu'un nous présenter ce paillasson, cette daube lunaire? Toi? Toi? Enfin, lunaire, même les martiens ne mettraient pas cette tenue. Ou devrais-je dire ce drap plein de boue qui a pourri en montagne? Dégagez-moi ce truc parce que j'en ai la tête qui tourne à force. Méga pas fashion. Bye bye. Que Lisa, Lisa, elle a bien failli aller lui expliquer que c'était lui qui était pas fashion. Bon, je vais me changer. Même si j'adore la robe, j'ai le miel qui me colle dans le dos. Merci. T'as retrouvé ton père? Ouais. Hein? Et puis à Gaël? T'es contente? T'as été super, je te jure. T'as été super. Ok, j'appelle le modèle suivant. Chaton, continuez à défiler jusqu'à la porte de sortie parce que cette robe est vraiment horrible. Bah, bon retour. À bientôt. Voilà, on attend les résultats. On croise les doigts. Rien n'est fait. Merci beaucoup. À bientôt. C'est vrai que mais qu'est-ce que tu fais là? Demande à ton père, c'est lui qui a tout organisé. Bah, disons que j'avais quelque chose à me faire pardonner. Et puis, pilote de ligne, ça n'a pas que des désavantages. Alors du coup, je lui ai acheté un billet au petit. Vous m'avez dit que c'était gratuit parce que vous êtes pilote. Oui, oh. En tout cas, je suis désolée, papa, d'avoir été dur avec toi. T'inquiète pas, tout est oublié. Ah bah tiens, voilà ta mère. Excusez-moi, pardon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah tu vois, là, on est en train de faire un tennis. Mais non, mais comment t'es venu? Ah bah certainement pas avec la voiture que tu m'as empruntée. D'ailleurs, à ce propos, faut trop que je te raconte un truc. Tu vas rigoler, tu vas te marrer. Rigoler à propos de la voiture, tu vois, ça m'étonnerait. Alors vas-y, c'est quoi? Là? Eh bien, vous êtes arrivés et vous tombez pile, puisque dans quelques secondes, on va savoir qui a gagné ce concours ce soir. Mais avant, demandons à notre président du jury ce qu'il a pensé des créations. Alors oula, par où commencer?
Disons que le niveau des participants était médiocre. Vous me voyez particulièrement déçu par les créateurs de ce soir. C'était pas fashion. Wouah, bon. T'as rien vu comme il est sapé. C'est plutôt rassurant de pas trop lui plaire, non? Ouais, t'as raison. En tout cas, je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis contente de te voir. Tu disais quoi à propos de la voiture? Bah, à propos oui, de quoi? On est quand même pas venu là que pour manger de la voiture. Alors, qui va intégrer ce soir la prestigieuse CFSL à la Californie Fashion School of Los Angeles? La voiture est dans un ravin. Hein? Barbara Marteau! Hein? 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 Quoi? Quoi? Hein? Quand j'ai dit première, c'est en partant de la fin. Autrement dit, elle est arrivée dernière. Oh, vous n'avez quand même pas cru que vous aviez gagné. Je vais lui apprendre la politesse, moi. Oh là 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 là. Hein? Top, 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 Le petit coquin, hein, fait des blagues. Bon, bah, on continue, alors, le reste du classement, c'est quoi? Alors, ensuite, pour une nouvelle célébration de la médiocrité... J'étais déjà au courant pour le ravin. Ta fille avait posté une photo. Je me demandais juste quand est-ce que t'allais me l'annoncer. Je suis désolée, vraiment. Tu t'es vraiment donné à fond pour réaliser le rêve de Barb. Tu m'as vraiment impressionné. Je pense que tu peux être fier de toi et fier de ce que tu as fait. Et puis, la voiture, c'est que du matériel. L'essentiel, c'est que vous alliez bien toutes les deux. Je suis vraiment contente que tu le prennes comme ça parce que c'est pas été simple. Et puis, c'est ce frein de parking, là aussi. Un comble pour une voiture de cette gamme. Voilà. Hugo, ça va? Ben, en fait, la nouvelle perruque que j'ai trouvée, elle a pas trop marché. Comment ça, elle a pas trop marché? Il t'a grillé, le vieux? Oui, c'est ça, oui. Le vieux l'a grillé. Faut dire que... Une perruque rose fluo. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, monsieur Hockey. Alors, je suis dans les toilettes. Je vais y passer le week-end, mais je serai là lundi sans faute. Vous n'êtes pas dans les toilettes, Isabelle, j'en viens. Quand allez-vous cesser de nous mentir? Vous avez raison, je suis à Los Angeles. Ça fait 5 semaines non-stop que je bosse jour et nuit sur le dossier de la tour. Je passe ma vie au bureau. Mes week-ends sur mon ordi et mon téléphone, si bien que j'y ai complètement délaissé ma fille. J'avais une chance de rattraper ça en lui permettant de réaliser un rêve. Je suis désolée si je vous ai déçue. J'adore mon boulot, je suis hyper dévouée, mais... Je suis avant tout une mère. Et plus que jamais, ma fille avait besoin de sa mère. Faites aussi bien. Pardon ? Faites aussi bien le jour de votre plaidoirie au procès de la tour et on passera l'éponge sur tout ça. Je vous décevrai pas, monsieur Hockey. En attendant, je veux vous voir lundi matin au bureau. Ok, monsieur Hockey. C'est bon. Vous appelez comment? Hugo. Vous savez ce qui est le plus vexant dans toute cette histoire, Hugo? Non, monsieur. Non, c'est qu'Isabelle ait pu croire un instant que je ne remarquerai rien. Je vous ai démasqué direct en arrivant ce matin. Bah, en fait, ça fait plusieurs jours que... Non, mais peut-être qu'elle croit que j'y vois rien, que je suis complètement miro. Je sais pas, monsieur. Exactement, bah, j'y vois très bien. D'accord? Pardon, mademoiselle. Car maintenant, Tony, c'est le moment que tout le monde attend. Suspense, on va connaître le ou la grande gagnante de la 6e édition des World Fashion Summer Dress. Alors... Alors... Et le vainqueur est... Eva Baker! Se trouve que c'est votre stagiaire, mais c'est fou! Oh, et c'est également la fille de votre meilleur copain qui est stagiaire. Oh là là, mais c'est fou! Bon ben. Voilà, tout ça pour ça. T'as rien à regretter. Je t'ai bien battu quand même, hein. Quelque part, t'es allé au bout de tes rêves. Je crois que là, je suis allée au bout de mes rêves.
Ce concours était nullissime, un cauchemar. Oh, et le pire, c'était cette robe atroce, laide et hideuse. Une véritable horreur. Oh, cette fille ne s'est quand même pas coltiné le trajet depuis la France pour proposer un truc naze. Sérieux, il faut être fou. Tu vois, les gens pensent qu'on peut devenir styliste de mode comme ça. Mais pour l'être, ça prend des années. Et non quelques semaines ou des mois. Oh, tu peux dire jackpot ? Regarde, j'ai une photo de sa robe, là. Attends, montre-moi cette fille. Je peux te dire que je l'ai renvoyée manger ses croissants en France, celle-là. Merci, au revoir. T'es bien coiffée aujourd'hui, j'adore. Trouve-moi son numéro. Son numéro. T'es sérieuse? T'as juste perdu la tête, c'est tout. Ben, je sais pas. Ah, bah quand même. Ça va? Bah oui. Chose promise, chose due. Qui veut des chewing-gums à la cannelle? Hé, tu vas pas le croire. Je viens de lire que l'année prochaine, le concours se déroulera à Tokyo. T'imagines, toi et moi en kimono au pays du soleil levant. Oh, le kiff. C'est gentil, maman. Mais l'année prochaine, je préfère passer les vacances en Normandie. Bon, alors, et toi, ça va? Dis donc, ils ont poussé tes cheveux. Ouais. Oh, tu fais des tresses maintenant? Mmh. Allô? Salut, c'est Laura Marano. On s'est vu à l'aéroport. Tu t'en rappelles? Bah, oui, comment je pourrais oublier? Encore une fois de m'avoir aidée. C'était super gentil de ta part. Mais de rien, tout le plaisir était pour moi. J'étais en train de discuter avec mon styliste. Et je lui ai demandé de reproduire cette fameuse robe au style Destroy que tu avais créée pour le concours à LA. J'aimerais beaucoup la porter dans mon prochain clip, mais seulement si tu le veux bien. Quoi? C'est vrai? Oui, je la trouve hyper cool. Et par chance, on trouve des jeunes stylistes comme toi qui osent la nouveauté. Pas vrai, Tony? Oui, c'est vrai. Génial. Alors, est-ce que tu veux bien? Bien sûr, mais ce serait génial, merci beaucoup. Merci à toi, au revoir. Au revoir. Bah, vas-y, raconte. C'est un truc de dingue ce qui vient de m'arriver. Pas sûr que ça soit ma taille. Bah, si, c'est carrément ta taille, hein? Ils le portent tous comme ça, cintré près du corps. Mais non, c'est juste que maman a oublié de te l'acheter, elle a pris le dernier, c'est du 12 ans. Quoique, ça peut faire un petit style quand même, bien sûr. Et j'aurais pu prendre plus petit. Alors oui, je venais très certainement de vivre la plus belle aventure de ma vie. Mais ce dont j'étais désormais certaine, c'était que quoi que je fasse, quoi qu'il m'arrive, je savais que je pouvais compter sur au moins une personne. Et cette personne... c'était ma mère.